Yes, I need this circle. This circle, going direct. From here, you clear. You go preparation. And now, show me the jet. Go with the jet. Okay? No? Not bad. Only one. Not bad at all. A ver, continuation. Jet. Jet in. And go. No, no fat. High. No forward. Yeah, I mean, I just wanted to say that after last year being jury, to be this year coach for my own choreography here in the Prix de Lausanne is just a fantastic experience to watch these kids, 15 to 17 year old, doing your material that they learn in a video and probably repeated 20 million times, and somehow trying to get out of them the best in 4 minutes is a challenge. But they have so much energy that I think they are doing a fantastic job. Left side. On top of the floor. The floor comes up to us. We are not going down. The floor is coming up. No, the floor is going down. You keep what is on. And you go on top. Yeah, I mean, it's been a lot of fun to work with these young dancers, and somehow what is amazing is that they learn everything out of a video. When I try to teach them the technique, the flow work and everything, of course you have to choose what is the best for them in these 4 minutes that you have to get the best out of them, and also not to frustrate them, because it's a process of years until you get this kind of contemporary technique. But to learn it out of a video and to choose such a difficult solo, such a long solo, with so many musical moments where you have to really know exactly what you do, for me it's a big present, because I'm honored that they chose my choreography, you know. So I will try to get the best out of them in the short time that I have. Diagonal. Avant de venir, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, et je sais aussi que les solos qu'on travaille sont difficiles, que ça va très vite, qu'il y a beaucoup d'informations,
Et donc, avec le peu de temps imparti pour travailler avec des gros groupes, j'avais peur de vraiment pas pouvoir faire grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on sent qu'ils ne sont pas habitués à ce type de travail. Et en même temps, avec cette expérience a priori limitée, ils ont quand même beaucoup de... Ils ont capté, à travers le travail de la vidéo, beaucoup de détails. Donc il y avait déjà une bonne base pour travailler. Et la deuxième chose intéressante, c'est leur curiosité, leur capacité à faire des progrès très vite et à être très attentif aux détails, de dynamique, de musicalité. Et, c'est qu'effectivement ils étaient tous enfin, d'une apparente curiosité et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'énergie dans le travail parce qu'aussi on essaie d'aller vite donc du coup on parle vite donc on leur balance des informations à une vitesse incroyable et dès qu'on se retourne il y a les yeux comme ça écarquillés et donc ils sont là pour absorber et au final même si on pourrait avoir plus de travail pour que ce soit vraiment que les informations que je leur donne soient digérées pour le jour du spectacle, même si elles ne sont pas digérées pour le jour du spectacle, au moins ça leur fait une expérience de certains viennent de loin et on sent qu'ils ont tous faim et que leur curiosité elle est sincère en fait. C'est pas une forme de discipline, ah oui on écoute le monsieur, mais c'est quelque chose d'enthousiaste et de ouais, ils sont à fond dedans et ça c'est vraiment super. Et du coup.